Salut Parisiens, Parisiennes. Parisiennes J'espère que vous allez bien. Voilà une victoire du Paris Saint-Germain sur le score 1-0 face contre Bordeaux. Euh, c'était un match euh, un peu difficile. Euh, moi, je pensais euh, qu'elle allait faire euh, plus de buts pour les Parisiens, mais du coup, c'était un match, euh, on va dire que ça quoi. C'est euh, là, c'est pas... Bon, ok, Paris ont gagné, mais franchement, euh, moi, moi, je pensais voir plus de buts, quoi. Tu vois ce que je veux dire Bon, après, j'ai raté mon pronostic, mais bon, je, je sais que je suis nul au pronostic, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est que le principal, que Paris euh, gagne de ce match. Euh, avant de commencer euh, à parler de ce match euh, Paris Saint-Germain Bordeaux, euh, je tiens à parler euh, euh, par rapport de ce joueur euh, Emiliano Salah. Euh, euh, bah, par rapport euh, que j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux bah, hier matin et euh, du coup euh, bah, qui l'ont parlé euh, celui de avant-hier soir et du coup il euh, est décédé euh, Emiliano Salah mais je tiens à tous euh, mes toutes sincères condéances euh, à la famille de Salah et à ses amis et puis euh, de ses proches et tout ça toutes mes condéances euh, à, pour ce genre euh, Emiliano Salah et, euh, c'est très triste une mauvaise nouvelle pour euh, Milano Salah, mais, euh, mais toute euh, condéance euh, à la famille Salah. Euh, maintenant, place, euh, bah, parler le match Paris-Saint-Germain-Bordeaux. Alors, déjà, première période. Euh, première période, c'était pas, euh, c'était un match ennuyant. Alors, c'est, je me demandais si, si, si Paris allait me motiver euh, des trucs comme ça. Et là, euh, franchement, première période, euh, sont pas c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible. Ils ont fait un bon, ils ont fait un bon première période, mais franchement, euh, c'est un match ennuyant. Euh, bon, ok, ils ont fait, ils ont dominé, mais ça veut pas rentrer. Mais du coup, euh, là, franchement, euh... tu vois ce que je veux dire. J'ai dit, j'espère que ils vont pas faire la même chose que celui la Coupe de France contre Mil France, et là. Euh... Franchement, c'était première période euh, on va dire moyen quoi. Bon, après euh, bon, après d'ici euh, juste avant la mi-temps, il euh, y avait penalty pour le Paris Saint-Germain. Heureusement et euh, 42e minute de jeu et but de Edinson Cavani au penalty, 1-0 pour, pour Paris et là déjà à la fin de la première période, ils sont, euh, ils sont un peu réveillés côté parisien. Mais après bon, après Bordeaux, ils ont pas fait euh, grand chose quoi. ils ont fait un très peu d'occasions. Et euh, du coup, euh, première période euh, 1-0 euh, pour Paris. Euh, déjà, alors là, c'est une mauvaise nouvelle. Euh, Edison Cavani qui est blessé. Euh, à, du coup, euh, Edison Cavani qui est sorti à la place Mbappé à la 45e minute de jeu. Euh, début de deuxième période. À chaque fois que la Ligue de Champions ça se rapproche, euh, que ça se rapproche à la Ligue de Champions euh, de Manchester United, mais à chaque fois, on a des joueurs blessés. J'ai l'impression qu'on a la poisse, je sais pas pourquoi, mais mais franchement, on a, on a, on a la poisse. On a la poisse euh, que euh, de ces joueurs il est blessé. Bon, apparemment, euh, celui-là Cavani, il n'a pas eu trop grave de sa blessure. Alors je l'espère c'est pas trop grave. Euh, apparemment, il s'est blessé. Euh, bon, j'ai un bout de papier parce qu'il y a des fois je me rappelle plus. Euh, apparemment, il s'est blessé aux douleurs euh, derrière la cuisse. Mais pour l'instant, euh, apparemment c'est pas trop grave pour Cavani. Mais je l'espère en tout cas, et j'espère que Cavani il jouera contre Manchester United, que ça joue dans trois jours. Et c'est à chaque fois on a la poisse. On a perdu Neymar et là maintenant c'est Cavani. Et euh, là j'espère que Cavani serait pas trop grave quoi. Euh, deuxième période. Euh, deuxième période, ça va on va dire ça va mieux. Alors déjà Chopomotic un match décevant, un match dégueulasse, un match pas terrible Chopomotic, il a fait la même chose que la Coupe de France. Euh, franchement euh, bon il... OK, il a fait euh, un deux occasions mais franchement il a fait de la merde quoi. Il a fait de la merde Chopomotic et là ça me fait chier quoi. Je sais pas pourquoi il met Chopomotic titulaire quoi et ça sert à rien. Je sais pas pourquoi on recrute Chopomotic quoi. C'est ça que ça m'énerve, je comprends pas quoi. Et du coup, euh, bon, pour l'instant, Paris gagne à zéro, ok. Mais là, euh, bon, deuxième période, ça va, ça va un peu mieux pour le Parisien. Mais euh, Mbappé qui a failli marquer, euh, mais là, euh, c'est dommage, quoi. Et déjà, Bordeaux a failli égaliser. Ils ont fait un peu d'occasion. mais heureusement que Giboophone a arrêté euh, la parade. Il a arrêté la balle et tout. Et euh, bon, après, Domin euh, Paris euh, a fait euh, beaucoup d'occasions, mais euh, pff, ça veut pas rentrer, quoi, et ça me fait chier quoi. Et du coup, score final 1-0 pour Paris et un match un peu difficile, quoi, on va dire. C'était un match un peu difficile. Et bon, le principal, c'est que Paris gagne ce match. Et 3 points de plus. Et euh, du coup, voilà, quoi. C'était euh, un match. Euh, un match bon ou moyen, on va dire, quoi. Euh, la composition qu'il a mis Thomas Torel en 4-4-2. En gardien, Buffon. Euh, défenseur gauche Enzuki. Euh, Défenseur droit Meunier, l'archer central Kipé Bé, Thiago Silva, euh, deux milieu sentinelle Verratti, euh, Daniel Ves et Verratti qui est de retour. Ça fait grave plaisir euh, qu'il est de retour sur le terrain. Bon, après, il n'avait pas joué. Euh... Il avait joué première et deuxième période, mais après, il est sorti. Il a besoin. Euh... Enfin, qu'il joue euh, contre Manchester. Bon, c'est pas ça, il n'a pas joué 90 minutes. Mais bon, ça fait grave plaisir qu'on qu revoie Marco Verratti sur le terrain. Euh, ensuite, milieu gauche Diaby, milieu droit Nkoku et deux attaquants Chopomotique euh, et Edison Cavani. Euh, changement euh, de côté parisien, 45e minute de jeu, euh, Cavani qui sort à la place Mbappé, que je vous ai dit euh, que Cavani est blessé, on espère que ce pas trop grave. Euh, 59e minute de jeu, Verratti qui sort à la place Parades, du coup euh, c'est pour ça que euh, il a bien fait que Thomas Tourel a fait sortir Verratti, parce que déjà la Ligue des Champions ça joue dans trois jours. C'est dans 3 jours la Ligue des Champions et du coup euh, on a besoin que euh, Verratti qui joue quoi. Pour ça, il l'a fait sortir quoi. Mais c'est bien. Et dernier changement, euh, 80e minute de jeu à la place euh, Meunier à la place euh, d'Agba. Titi Parisien. Euh, la position de balle euh, le parisien a 65 positions de balle. Bordeaux, 35% de position. Euh, Paris a fait 10 tirs. Bordeaux a fait 8 tirs. Euh, Paris a fait 3 tirs. Euh, 3, 3 tiers cadrés, pardon. Et euh, Bordeaux a fait 3 tiers euh, cadrés. Euh, J'ai pas plus à dire. Euh, le principal, c'est que Paris s'impose. Mais c'était un match un peu difficile. Ils ont fait un bon et moyen. Mais franchement, euh, moi, je, je pensais voir plus de buts pour Paris. Mais bon, euh, franchement, euh, c'est un peu dommage. Mais bon, le principal, c'est que Paris s'impose. J'ai pas plus à dire sur ce. Bonne soirée à tous. Et ici, si c'est Paris. À la vie et à la mort. Paris magique. Allez, bonne soirée à tous.